Amiens 12e face à Valenciennes 16e, battu à Guingamp lors de la dernière journée. Les Picards ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Pour leur part, les nordistes n'ont pas pu s'imposer au Hainaut face à la Lanterne Rouge Junior pour la première du nouvel entraîneur Ahmed Kantari en remplacement de Nicolas Rabuel. Depuis l'après-Coupe du Monde, VA n'a remporté qu'un seul de ses 16 matchs, 8 nuls, 7 défaites et n'a désormais plus que 3 points d'avance sur la zone rouge. Sa deuxième rencontre dirigée donc par Ahmed Kantari. Il voit ses joueurs être bousculés en début de rencontre. Lassana Si doit intervenir sur cette frappe puissante plein axe. Réaction des Valenciennois avec leur maillot extérieur noir. Et ce centre tendu, l'intervention de Régis Gürtner. Très bon réflexe du portier amiennois. Bon, ce ballon qui prenait la direction des buts sous la barre transversale. 0 à 0, c'est le score à la pause. De l'activité pour les joueurs de Patrice Descamps, mais pas de réussite. C'est un petit peu à l'image de leur saison, même de l'époque de Philippe Hinsberger. Ils avaient du mal à marquer sur les 10 derniers matchs. Les Amiennois n'ont jamais marqué plus d'un but. 7 fois un but et 3 fois ils sont restés muets. Valenciennes repart avec de bonnes intentions en deuxième période et va ouvrir le score à la 52e grâce à Alan Linguet. Premier but de la saison pour le latéral nordiste qui vient fixer la défense, crocheter et ajuster avec ce pied gauche bien placé. Régis Gürtner, 1-0 pour VA, puis 2-0 à la 71e minute. Jason Berthomier, opportuniste pour placer ce coup de tête dans le petit filet de Régis Gürtner. Derrière, superbe envolée de Lassana Si qui empêche la réduction de l'écart des Amiennois. 2-0 score final. Valenciennes qui n'avait plus gagné depuis 9 matchs s'offre un précieux succès en vue du maintien. VA est 15e avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Amiens 14e devra encore grignoter quelques points pour s'éviter quelques frayeurs d'ici la fin de saison.